Bonjour frères et sœurs. Comme à mon accoutumée, je vais vous raconter une histoire qui va nécessairement déboucher sur quelque chose. Il y a de cela très longtemps, dans une contrée perdue dans les méandres de l'histoire, un royaume qui venait d'avoir un nouveau roi. Dès les premières actions que ce roi a posées, on a tout de suite vu que c'était un despote. Qu'est-ce qu'il a fait? Tous ceux qui s'opposaient à ses façons de fonctionner avaient la tête tranchée. Tous ceux qui s'opposaient à lui avaient la tête tranchée. Tous ceux qui le contredisaient, qui le critiquaient dans le royaume, avaient la tête tranchée. Mais il arrivait des fois même que pour le plaisir, il faisait trancher des têtes, à la seule condition que la tête de la personne ne lui revenait pas. Au bout de quelques temps de royauté, la peur s'est installée dans le cœur des gens du royaume. Les gens avaient peur. Ils avaient peur de leur propre ombre. Deuxième chose qu'il a faite, il a installé dans son équipe de gouvernance des personnes hypocrites, des égoïstes, des analphabètes, des personnes veules. Ces gens-là étaient dans la police, étaient dans l'armée, étaient partout. Et c'était des espions. Troisième acte de sa gouvernance, c'était d'empêcher aux enfants d'avoir la connaissance. Alors, il a interdit les écoles. Mais les parents qui savaient lire apprenaient aux enfants à lire chez eux à la maison. Quand les espions lui ont donné l'information, il a pris un édit et on a brûlé tous les livres. Ceux qui racontaient les histoires, comme moi, j'aime bien le faire, essayaient de raconter aux enfants comment est-ce qu'on apprenait à lire et à écrire par le passé. Quand il a su, il a interdit aux conteurs, à ceux qui racontent les histoires et à ceux qui parlent trop d'agir. Les mamans ont décidé maintenant, dans le secret de la nuit, d'apprendre aux enfants lire. Quand il a appris ça, il a interdit aux femmes de le faire, mais les gens lui ont dit, si tu t'attaques aux femmes, tu risques d'avoir des problèmes. Alors, il n'a pas interdit cela aux femmes, mais il a décidé qu'elles devaient se recouvrir entièrement de tissu et elles devaient être muettes. Tout ce qu'elles devaient faire, c'était faire la nourriture, s'occuper du linge et s'occuper des enfants. Et c'est ce que les femmes faisaient. Et la vie allait bon train. Les gens avaient tellement peur et ils étaient rendus idiots parce que l'école, ils n'allaient plus, ils n'apprenaient plus à lire, ils étaient devenus analphabètes, ils étaient devenus, donc c'était devenu un peuple qui pouvait manipuler à sa guise. Un jour, il y a les espions qui sont venus lui dire qu'il semblerait qu'il y avait une vieille dame quelque part dans le royaume qui apprenait aux enfants à lire. Ils écrivaient dans le sable les lettres et les chiffres. Et une fois terminé, ils effaçaient pour ne pas laisser de traces. Alors, le roi a fait espionner cette vieille dame et il y avait les preuves qu'elle faisait ça. Alors, pour l'humilier devant tout le royaume, il a convaincu tout le peuple. Le peuple savait ce qui allait se passer, mais le peuple avait tellement peur qu'il n'avait pas d'autre choix que d'aller applaudir les prodiges, que dis-je, les exploits du roi. Alors ce jour-là, devant toute l'assemblée, ils ont emmené la dame, la vieille dame, ligotée. Et il a arraché le tissu qui était sur son visage parce que toutes les femmes étaient obligées d'avoir le tissu. Il a regardé, il a ricané, dit, fais-moi cette vieille ridée-là. Toi, une vieille femme comme ça, fanée, tu t'oses t'opposer à mes édits? N'importe quoi. Tu apprends des enfants à écrire, donc à lire, et plus tard à réfléchir. C'est moi qui réfléchis à votre place. Alors je n'accepte pas qu'on aille contre mes décisions. Mais tu vas le payer très cher, vieille femme fanée. Et il fait apporter de la braise. Et on lui amène un cruchon en fer. On y met de l'eau. Il prend une braise avec, une pince, il la met dans l'eau et ça fait pssst. Et il dit à la dame,
Je vais te poser une question. Tu as l'air de tout connaître là. Entre l'eau et la braise, qui a fait ce bruit-là? Avant de commencer, il a dit, mon roi, je n'ai jamais prétendu que je connaissais tant de choses. Mais tu donnes l'enseignement à des enfants. Tu vas contre ma volonté. C'est parce que tu es sûr de toi. C'est parce que tu as des connaissances que tu le fais. Alors tu vas répondre, t'as dit, mes connaissances ne sont qu'une simple goutte d'eau dans l'océan des connaissances. Il dit, ça, c'est pas mon problème. Tu vas me dire, entre la braise et l'eau, qui a fait le bruit? Tu auras la tête coupée si tu ne réponds pas. Et ça va servir de leçon. Et ensuite, je vais faire couper la tête à tous ces enfants à qui tu as donné tes enseignements. La vieille dame, elle a commencé à trembler. Elle a dit, je pense que c'est l'eau et puis la braise en même temps. Il dit, oui, mais avec quelle intensité? Chacun, quelle est l'intensité de l'action de chacun dans le bruit? La dame était là. Elle dit, je vais mourir parce que je ne sais pas comment répondre. Et en même temps, elle a pensé aux enfants. Elle dit, mais tous ces enfants-là, ils vont avoir la tête tranchée. Alors, il y a une colère qui est montée en elle. Une colère qui est montée de ses entrailles. Qui est montée, qui est montée, qui a pris tout son corps et qui chauffait à l'intérieur de son corps comme de la braise. La colère est montée jusqu'à la colère est arrivée dans sa bouche. Et contre toute attente, elle s'est dirigée vers le roi. Le peuple retenait son souffle. Elle s'est dirigée vers le roi. Elle a pris toute sa force et elle lui a administré la plus belle gifle qu'on ne lui avait jamais administrée de toute sa vie. Une gifle historique. Le roi était surpris. Le peuple était surpris. Mais qu'est-ce qu'elle vient de faire comme ça? Mais va, c'est sûr que. Le roi a mis sa main sur sa joue. Elle a dit, mon roi, vous venez de recevoir une gifle et ça fait un bruit. Est-ce que vous pouvez me dire qui de ma main ou de votre joue a fait ce bruit? Ou alors, quelle est l'intensité que chacun a apportée à la production de ce bruit-là? Le roi était tellement ébahi qu'il est resté la bouche ouverte avec la main sur la joue. Et le peuple, en voyant le roi si vulnérable, celui qui faisait couper les têtes à tout venant, se faire administrer une telle gifle d'une vieille dame fanée, le peuple a été pris d'un fou rire qui est parti de ses entrailles aussi, qui a chauffé dans ses veines et qui est sorti comme une libération. Le peuple a été pris d'un fou rire, mais le peuple a ri. Le peuple a ri comme il n'avait jamais ri depuis des années. Et son rire est monté comme un nuage vers le ciel. Le peuple venait d'être libéré. Le roi et ses despotes ont pris la fuite. C'était sûr que jamais plus ils n'allaient revenir. Que le peuple ait eu le courage de rire ainsi du roi, sans crainte d'avoir sa tête coupée, ça veut dire que le peuple venait de se libérer d'un joug grâce au courage de cette vieille dame qui avait pris le roi au mot et qui avait joué dans son propre jeu, l'amenant dans un piège. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que c'est une dame, une femme qui a dit non, une femme qui a utilisé ses méninges et qui a pris le roi à son propre jeu pour ne pas avoir sa tête coupée, mais surtout pour ne pas avoir celle de petits-enfants innocents coupés aussi par la même occasion. Les femmes, nous avons beaucoup à faire. Il est temps que nous nous levions. L'Organisation internationale des femmes ivoiriennes veut adresser un message à d'autres femmes par cette vidéo. Madame Dominique Ouattara,
Madame Henriette Konan-Bédié, Madame Dagri Diabaté, Madame Félix Houphouët-Boigny. Vous ne savez pas que des femmes comme vous sont à la rue avec leurs enfants depuis le 8 mai, sous la pluie en Côte d'Ivoire, à Cocody-Danga. Vous ne savez pas. Madame Dominique Ouattara, vous avez une ONG mondialement connue. Et cette ONG vous permet de veiller sur les enfants de Côte d'Ivoire. Alors, nous n'arrivons pas à comprendre que vous, Madame Dominique Ouattara, pendant que des femmes ivoiriennes sont mises dehors avec leurs enfants sous la pluie battante, qui perdent tout, et leurs enfants ne sont pas capables d'aller à l'école, pendant que vous, vous avez une ONG dénommée Children of Africa. Votre ONG est censée œuvrer pour le bien-être des enfants. Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Madame Henri Konan-Bédié, vous avez une ONG qui se nomme Servir. Vous avez la possibilité de faire venir des sommités du monde entier pour le lancement de vos activités. Ou bien vos activités sont seulement pour les riches, elles ne sont pas pour les pauvres. ONG Servir, il me semble que c'est pour les pauvres que cette ONG a été créée. Children of Africa, je pense que c'est créé pour les enfants des pauvres, pas ceux qui vont à l'école en Mercedes. Madame Dagri Diabaté, vous êtes la chancelière de Côte d'Ivoire. À la limite, vous êtes considérée comme la mère de Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas au courant aussi de ce qui se passe. Madame Houphouët-Boigny, vous ne savez pas ce qui se passe dans le pays de feu votre mari. Nous sommes dans quel pays? Dans quel pays nous sommes actuellement en Côte d'Ivoire? Dans quel type de gestion du pays nous sommes? Des gens se voient du jour au lendemain, à 6 heures du matin, expulsés de leur maison. Leurs maisons sont détruites sous leurs yeux. Et ils dorment à la belle étoile. Et la vie continue en Côte d'Ivoire. Et vous êtes censé diriger ce peuple-là. Ne faites pas comme ce roi despote. Parce qu'un matin, vous allez avoir une gifle et de la personne à laquelle vous vous attendez le moins. Les enfants doivent aller à l'école. C'est un droit que la Côte d'Ivoire a acquis de permettre aux enfants d'aller à l'école. Des femmes comme vous se voient aujourd'hui mises dehors, hors de leur maison. Ce ne sont même pas dans des maisons précaires. Et encore, quand on doit faire sortir des gens pour leur propre sécurité d'un quartier précaire, on prévoit les conditions, on prévoit un endroit où ils vont aller. Mais on ne peut pas venir à 6 heures du matin, briser la maison des gens, jeter leurs affaires dehors avec des voleurs, des gens qui sont venus les dépouiller de tous leurs biens. Et pendant ce temps, la vie continue. Nous sommes aujourd'hui le 12 mai. La vie continue. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je suis désolée, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Faites très attention au pas que vous posez. Parce que vous avez en face de vous des êtres humains. Ce ne sont pas des animaux. Vous n'êtes pas venu dans ce pays-là pour diriger des animaux. Ce sont des êtres humains. Revoyez vos façons de faire. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Vous dormez dans vos châteaux et les autres, ils peuvent dormir, ils peuvent crever. Vous faites des cérémonies, vous invitez les sommités du monde entier et vous n'êtes pas capable de regarder ce qui se passe dans votre maison. Des femmes comme vous qui sont jetées à la rue, des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école alors que les examens approchent, c'est la saison des pluies. Non seulement vous avez brisé leur maison, non seulement on les a dépouillés de leurs biens, mais en plus la pluie est venue se joindre à ça, à ce concert-là. Revoyez vos façons de faire. Parce qu'un peuple, il a beau être idiot, il a beau avoir peur, un jour vient où le rire part de ses entrailles jusqu'à il sort de sa bouche. Et ce jour-là, le peuple se libère. Bonne méditation.